Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va s'inscrire dans une série consacrée aux différentes races de volailles. Aujourd'hui je vais vous présenter la poule de Houdan et plus particulièrement la poule de Houdan de couleur blanche. Pour la petite histoire, la poule de Houdan est une ancienne race française originaire de la région de Houdan, commune des Yvelines, d'où elle tire son nom. Certains disent qu'elle était déjà présente à la table du roi Louis XIII. Puis, elle connaît son essor au cours du XIXe siècle, âge d'or de la volaille de Houdan, star des marchés parisiens. Il faut savoir qu'à son apogée, au milieu du XIXe siècle, il se vend environ 40 000 poulets chaque semaine et ce uniquement sur le marché de Houdan. Des chiffres à donner le vertige. Dans son ouvrage Le poulailler, monographie, poule indigène et exotique, paru en 1858, Charles Jacques consacre un large chapitre à la poule de Houdan et en fait l'éloge, la plaçant sur un piédestal au milieu de toutes les autres races françaises de l'époque. Il y écrit même. Rien n'est plus riche que l'aspect d'une basse-cour composée de Houdan. La particularité première de la poule de Houdan réside dans sa huppe et sa crête atypique, dite en feuilles de chêne. Présente chez la poule comme chez le coq, il faut bien reconnaître que chez Monsieur, celle-ci est un ornement sans pareil. Seule race à posséder une crête de cet aspect, la crête est double et doit s'inscrire dans un carré d'environ 6 cm de côté. Les bords sont ciselés plus ou moins grossièrement. Quant à la huppe, elle doit être plus fournie chez la poule que chez le coq. Chez Madame, elle forme une belle boule bien régulière, tandis que chez Monsieur, elle est plus de type punk. La poule possède aussi une cravate, excroissance de plumes qui se situent sous le bec et lui font une belle barbe et favoris. Autre caractéristique que l'on retrouve chez la Houdan, c'est la présence du cinquième doigt. Les bases du cinquième et du quatrième doigt doivent être bien séparées. Elle n'est pas la seule race à posséder cette caractéristique. La poule favrole ainsi que la Dorking par exemple possède aussi du cinquième doigt. La couleur des tarses pour la Houdon blanche doit être le plus clair possible. Le poids de la poule de houdan doit se situer entre 3 kg et 3 ,5 kg pour les coques et entre 2,5 kg et 3 kg pour la poule. Chez moi les houdans blanches n'atteignent pas ces valeurs et le poids des coques se situe plus autour des 2,5 kg tandis que celui de la poule autour des 2, ,2 kg d'œufs. En ce qui concerne les œufs, la poule Houdan pond des œufs blancs de 65 g environ, à raison d'une moyenne de 130 œufs par an. Chez moi, la ponte commence en général en février pour finir vers le mois de septembre. Enfin, on peut dire que la Houdan est une poule calme, très peu coureuse, et peut se contenter d'un petit parc les coqs eux ne sont pas très bagarreurs s'ils grandissent toujours ensemble on peut facilement les approcher à partir du moment où les mouvements restent lents en effet elles peuvent facilement s'effrayer et être surprises par notre présence car leur rup réduit considérablement leur champ de vision tout geste brusque est à bannir passons à présent aux poussins chez laoudan de couleur blanche ceux-ci ont le duvet blanc tous les poussins possèdent une protubérance au niveau du crâne. Celle-ci est typique de la race et sert de base à la huppe. Déjà, les cinquièmes doigts doivent être bien séparés des autres. Particularité de la poule de Houdan, c'est une très mauvaise couveuse. À l'époque où elle était sélectionnée pour sa chair, on éliminait systématiquement les poules qui couvaient, car elles n'étaient plus sujettes à l'engraissement et donc non rentables. C'est pourquoi elles ont perdu cette aptitude à la couvaison. Donc, pour avoir de beaux poussins, il vous faudra investir soit dans une couveuse, soit donner des œufs à une poule glousse d'une autre race. La petite difficulté que je pourrais trouver à l'élevage de la poule de Houdan, c'est qu'elle est assez sensible à l'humidité et attrape rapidement un rhume si elle n'est pas maintenue dans de bonnes conditions. Le poulailler doit être sain et sec toute l'année, sans courant d'air. Il doit permettre à l'ahoudan de se sécher, notamment sa barbe et sa hue, lors de périodes très humides. Dans cette vidéo, je ne vous ai présenté que la poule de houdan blanche, car c'est celle que je possède chez moi. Il faut savoir que la couleur d'origine de l'ahoudan est le caillouté, noir parsemé de blanc. C'est la couleur la plus répandue en France. Il existe aussi la variété coucou, noire ou même lavande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Cela fait toujours plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette race, vous pouvez vous rendre sur le site du Houdon favre Club de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la présentation d'une nouvelle race de volaille.